Alors, mauvaise nouvelle, le jeu a planté quand j'ai stoppé ma vidéo. Du coup, on va se retaper quelques anciennes actions. Bon, rien de bien affolant, heureusement. Tiens, au passage, je viens de voir que t'es un peu inactif. On va se retaper cette colonie-là. Qui était je sais plus qui. Bon, la Birmanie, ce sera toi, du coup, maintenant. Toi, du coup, tu repars pour un nouveau vaisseau comme ça. Toi, tu fais plus. Toi, tu glandes rien. Et quand quelqu'un glande rien, ça veut dire que. Il faut que je m'occupe de lui. Vaisseau scientifique. Projet de recherche. Puis après, tu feras la reconnaissance du système. Pareil, tu iras aussi reconnaître ce système-là et reconnaissance de ce système-là. Catastrophe. Toi, au passage, je viens de te voir. Construction complete. Alors, ensuite, du coup, j'ai décidé que vous allez devenir la Corée du Sud. Donc, la triple Corée du Sud. Du coup, t'es reparti pour nous balancer un vaisseau de colons. Construction complete. Oh, par contre, le positionnement ici, bah là, pas mal. Corée du Sud 2. Vas-y. Au hasard, celui-là. Ma flotte. Du coup, est-ce que ma flotte était améliorée? Je sais pas. Est-ce que j'avais refait ma flotte? Réinitialisée, terminée, sauvegardée. Ouais, je l'avais déjà fait. Bon, ben, au moins. Je pense que je fais vraiment un peu plus peur à ce monsieur-là avec mes 47 000 vaisseaux derrière. Et ben. Comment dire? Plusieurs de notes. D'accord. Situation log updated. Ça veut dire quoi ça? Il y a un truc spécial qui est arrivé ou quoi? Tempête en approche. System survey complete. Bon ben il se passe des événements et comme d'hab les événements je les connais pas. Bon, les vaisseaux de colons continuent d'avancer tranquillement. Suède c'est à qui? Suède c'est pas à moi, j'en veux pas, j'ai dit. Non, Suède c'est pas à moi de base. Choulak. Pareil, je veux pas de toi. Pologne. Comment je fais pour pas tous les trouver à chaque fois au premier coup? Danemark. C'est pas possible, il y a des gens qui les créent pour moi. La presse typographique. Ouais. Si ça peut vous faire plaisir, faites de la presse typographique. Organiser une expédition un jour peut-être. Le vaisseau de construction qui est un peu débordé là. Mais comme dans d'ici 20 minutes, il va plus rien avoir à glander. On n'est pas à ça près. Là, il y a 3 planètes à prendre, pareil. Les trucs sont pas explorés. L'Europe pas assez grande comme d'habitude. Ok.
Ich bim, ich bim, plein de planètes. Ships upgraded. Ah, 50 000. Construction complete. Et ben voilà, ça c'est de la flotte de guerre. Viens ici. Assez un bateau, je pense qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir construire. Une ferme, rien devant la planète, ouais, faire un observatoire et en surface ça on peut l'améliorer. Bah tu vas améliorer Jinx, toi t'es un cas désespéré, je suis désolé mais c'est vrai. Il y a combien de bouffe ici en plus? Il y en a deux. J'ai fait une clinique frontalière. La clinique a dû être faite, d'accord. Bah justement, elle est là. Il y a la ferme hydroponique. Ouais, ce serait un peu limite de s'en débarrasser. Donc toi, tu vas conserver un peu chômé, mais c'est pas grave. Un peu chômé. Ah ouais, du coup, ça, ici, il faut que je te relance à fond. Construction complete. Alors. Point de rupture, je sais pas ce que ça veut dire. Construction complete. Donc, ici. Toi, tu vas où? Toi, tu vas là. C'est à ton tour d'en choper un. Toi, t'es à mon avis, t'es disponible. Corée du Sud 3. Voilà. Construction complete. Ensuite, toi. J'avais un manque d'idées, donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas t'appeler Tibet. Je sais. Ah, j'ai pas tout peuplé encore. Oh, trois planètes encore ici. Les mecs, là, vous trouvez pas que vous me coûtez cher en planète? Toi, ce sera Taïwan. Toujours en espérant l'avoir bien écrit. Là, je dis clairement au Norilla, je vous emmerde. Vous êtes pas content, attaquez-moi. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont m'attaquer? Voilà, vraiment, les points, j'en avais tellement en stock, ils m'ont tellement coûté là. Vous êtes pas mauvais quand même en consommation de points. Niveau armée, il me manque plus de 600 vaisseaux. Mais même en me concentrant que sur la production de vaisseaux, c'est pas facile de les suivre. Vos spatioports ici sont même pas améliorés, les mecs. Événement country. D'accord. Bonjour, les mecs. L'événement fléau du vide. Il me plaît pas beaucoup cet événement, il a un nom bizarre. Alors Suède, il y a deux spatioports ici. Voilà, on vous... C'est qui? Ok, on m'en fout. Enfin moi, le fléau du vide, vous le mettez où vous voulez, on ira les terrasser, il n'y a pas de problème. C'est quoi ça? Une faction qui a pris en puissance, c'est laquelle? C'est les Otariens. Alors les Otariens... Première chose, je vais m'assurer qu'il y ait des troupes de défense partout contre eux. Alors, le Maroc. Bon bah au passage, je vais quand même... vous améliorer un petit peu.
Voilà. Et au niveau troupes, on est ce qu'il faut. Le Maroc qui sera prêt. Le mois suivant, on va regarder la Tunisie. Votre spatioport est pourri. Sauf que là, ma priorité, c'est de faire des armées d'assaut. Voilà, vous êtes équipé. Ensuite, je vais vous rajouter un petit spatioport. Après la Tunisie, on va passer sur le Chili. Ouh, le Chili, il y a des problèmes au Chili, là. Non, les mecs, sincèrement, les armées de défense, c'est pas bien. Privilégiez les armées d'assaut. Je vous le dis que c'est l'avenir, ça fonctionne super bien. Au passage, offrez-leur un spatioport, ils seront heureux. Après le Chili, on va aller voir Cuba. Cuba, c'est là. Ça, c'est un vaisseau scientifique, je ne sais pas ce qu'il fout, mais c'est pas grave. Alors, pareil, recrutement, armée d'assaut. Ouais. La ferme hydroponique fera peut-être pas de mal. Ouais, elle fera certainement pas de mal, parce que quoi qu'il arrive, ça fait jamais de mal. Et le spatioport est pas mal, donc on va rien dire. Après Cuba, on va passer à Varmia. Varmia, mais c'est à moi, ça. Les mecs, vous voulez vous rebeller sur mes propres terres. Ouais, bon, bah Varmia, vous passerez pas, y a aucun souci là-dessus. Et le dernier, que j'ai sauté, je sais qu'il y en a un que j'ai sauté. C'était Vaxpop Axinob. Bonne question, c'est où ce machin? Vaxpop Axinov. Je cherche. Passer par là. Planète. Alors déjà, c'est pas une planète que je possède moi. Est-ce qu'elle est dans l'Europe? J'ai le droit à 14 secteurs. Ok. Non, dans l'Afrique. Dans l'Amérique. Tuscanie, ça c'est pas une truc américaine. Toi non plus, t'es pas américain. Là les mecs, vous allez me forcer à intervenir. Surface. Armée. 30 secondes. Voilà. Le jeu tourne de moins en moins bien. Alors, première chose, je vais aller à. C'était Genma. Pareil. Alors, un petit nom d'un truc en Amérique. J'ai du mal. J'ai même beaucoup de mal. Je l'ai fait, l'Uruguay? Alors, l'Uruguay. Eh ben, bravo, tu es Uruguay. Uruguay. Ah, il manque une lettre. Uruguay. On va rester en Uruguay, s'il te plaît. J'essaye de gérer mes planètes, si ça se voit pas. Oui, je sais, ça se voit pas, mais bon. Uruguay. Et bien, tu sais quoi, du coup, ça m'a inspiré pour le prochain. Alors la Tuscanie, c'est où?
que la Tuscanie, ça n'a rien à faire en Amérique, ça. Au pire, la Toscane, mais bon, la Toscane, ça fait, c'est pas un pays depuis longtemps, ça. Ah ah, bonne question. Où est-ce qu'ils m'ont caché la Tuscanie? En plus, c'est pas une blague, ils l'ont caché où? Alors, on va cliquer ici. Retrouve-moi la Tuscanie, mec. Alors, la Tuscanie. Chut, amène-moi dessus. C'est je sais pas où. Bah, après l'Uruguay. Le Paraguay. Attends, c'est dans le système Argentine? Eh ben c'est Argentine alors. Ouais, voilà. Comme ça il restera encore le Paraguay à pouvoir utiliser. Sincèrement, des fois on se complique la vie pour rien. Alors, tout le secteur Asie est pas trop mal. Enfin là il va connaître un boom de fou. Les mecs, hein, franchement, vous pouvez pas dire que je vous aime pas, parce que là, je vous ai développé le système Asie à la vitesse de la lumière, quoi. Colony established. Ah, laquelle? Colony established. Alors, Corée du Sud. J'ai pas gardé beaucoup de sous disponibles. Ça va être un peu gênant. Ça, c'est juste pour aider le gouverneur pour qu'il se fasse pas chier avec ça. Je vais te faire une clinique frontalière ici. Une mine. Un laboratoire. Un autre laboratoire là-bas. Encore ceci. Ouais, non, je vais quand même continuer à dépenser. Parce que ça va me coûter cher si je dois conserver tout ça sous mon contrôle. Encore investir, voilà, encore une, voilà, comme ça tu peux passer sous le contrôle de l'Asie. J'ai fait la... ah ouais non, c'est plutôt Birmanie que j'aurais dû équiper en fait. Ok, rien à foutre. Ouais, c'est qui ça? Attendez, pourquoi ils sont en rouge? Ouais. Alors, la Birmanie. Ça va m'intéresser un peu plus. Alors, il y a rien pour l'énergie ici. Habitabilité, c'est pas mal. Et il y a des bonus de minéraux. Alors, vu que c'est des bonus sur les minéraux, vous êtes sûr que vous allez être des mines. Sans hésiter. Toi, tu vas faire la clinique frontalière. Toi, t'as un plus 2, donc tu vas faire un laboratoire. Toi aussi. Centrale. Centrale. Ouais, c'est toi qui es le mieux. Tu vas donner une centrale basique aussi. Et j'ai fait la clinique, je l'ai fait où déjà? Mine basique. Ouais, on va continuer. De toute façon, faut que je dépense davantage encore. Chaque fois que j'ai un petit peu de sous, je réinvestis direct. Parfait, donc la Birmanie, je peux te rajouter ton spatioport. Et puis, allez, fais-moi ça. Du coup, la Birmanie, je peux tout de suite t'injecter. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ah, retriez-moi sa partie. Oh là là, je vais pas y arriver. Tu me fermes et tu fermes ceci. Asie, gestion.
Je t'ajoute ça et je t'ajoute ceci. Et ça, au passage, devient donc la Birmanie. Oui, j'essaye de renommer le système au cas où tu veux pas. Ok. Corée du Sud. Spatioport, c'est parti. Construction complete. Ouais, bien, Norila, il s'est chié dessus. System survey. Ah, il, franchement, quand j'avais une puissance de merde, il se l'a pété, hein. Mais là, il n'ose pas venir. Je dis ça, dans 5 minutes, il va me déclarer la guerre. Donc, mon petit gars, il va venir te péter les genoux. Je vais te les péter. Et je vais pas faire semblant de te péter les genoux, crois-moi, quand je vais arriver. Ah, famine, où ça? Attends. Ok, ça veut dire qu'on a intégré ces mecs-là. Alors d'abord, je finis de gérer rapidement Corée du Sud. J'ai 2 billes de minéraux à leur offrir. Donc, pour commencer, tous ceux qui n'ont pas un chantier spatial, on a un. Bon, toi, t'en as un qui est en cours. Je suis désolé, monsieur le gouverneur, mais tu vas en chier avec l'Asie. Ça, c'est vidé. Ça, c'est en train de se faire vider aussi. Ici, tu vas me faire la clinique frontalière. Les minéraux, c'est pourri ici, donc on va surtout pas produire de minéraux. Tu vas me produire de l'énergie partout. Voilà. On est prêt à assumer le fait que tu fasses beaucoup d'énergie. Et ben c'est pas mal ça, t'es plein. Voilà, du coup je peux te refiler à l'Asie. Bienvenue en Asie. Ça me fait quand même 3 planètes d'un coup qui disparaissent normalement. Au moins 2. Le reste je gère pas encore. Alors maintenant il faut que j'aille gérer tout ce bordel. Alors les mecs, votre flotte, je suis sûr qu'elle est très bien. Mais comme vous avez dû le voir, on se déplace pas de la même manière. Donc ça sert à rien. Les portes de saut, j'en veux pas. Vos vaisseaux de construction, du coup, j'en veux pas non plus. Quoique, si je vais garder celui-là temporairement. Vos vaisseaux scientifiques, je vais voir ce que je vais en faire. C'était déjà pas mal. Alors tout ça, le mieux ce serait que je le mette en Europe. Parce qu'ils ont l'air d'être plus connectés à l'Europe qu'autre chose. Ça c'est de la merde. Ça c'est aussi de la merde. Comme ça, du coup, lui aussi peut revendre l'Europe. Là, il va me falloir un sacré nom. Il va me falloir beaucoup de noms. Hein. Parce qu'il y a du monde à intégrer à l'Europe. Alors, on va commencer. Ben là, il n'y a pas de planète. Donc ça va être rapide. Toi, ad hoc. En plus, t'as une planète qui... Oh. Mec, je suis désolé, mais j'ai pas pouvoir investir là. J'ai pas les sous. Ah. Attends.
Est-ce que c'est passé de couleur bleue? Pas encore. C'est quoi cette couleur toute dégueulasse? Voilà, c'est un peu mieux. Alors. Du coup, toi, tu deviens la Suisse. Les mecs, j'aurais aimé vous investir davantage chez vous, mais... Actuellement, j'ai pas ce qu'il faut pour. Par contre, on va essayer de vous sauver de la famine. En améliorant ça, ce sera déjà pas mal. Ça, on va vous sauver de la crise énergétique un petit peu plus aussi. Du coup, toi, tu vas devenir la Roumanie. Quoique, sincèrement, le nom Roumanie, tu le mérites pas. T'es pas du tout le système de la Roumanie du tout, toi. Allez, toi, tu suis Roumanie 1. Et l'autre sera Roumanie 2. 1. Roumanie 2. Ok, donc eux, ils peuvent être injectés sans problème. Toi, à ton tour. Il y a combien de planètes ici? Il y en a une. Ça va être la Hongrie. Enfin, j'espère que je ne l'ai pas utilisé. Pire, on renommera. Hongrie. Du coup, c'est à ton tour aussi d'être nommé. Deux planètes. Toi, ça va être... Comment on pourrait t'appeler? L'Italie, c'est déjà fait. L'Allemagne, c'est déjà fait. Enfin, je crois. Mais on va dire que j'espère pour eux. On va rajouter la... La Slovaquie. D'accord, pendant que j'écris le nom, je suis capable de me déplacer de système. Intéressant comme système ça. Et donc il y aura Slovaquie 1 et Slovaquie 2. Et après ça, on va dire que j'aurai fait suffisamment de gestion de planète pour le moment. Je vais me relancer dans la flotte. Allez, Europe, gestion de système, donc tu gagnes ceci, sac, vas-y fais-toi plaisir, prends-moi toute cette partie-là, voilà, t'auras trop la classe comme ça, on relance le jeu, alors, vaisseau de construction, comme tu peux le voir, pardon? Toi, t'es un vaisseau de construction. J'ai plus de sous, d'accord, mais viens quand même ici. Après vous, vous êtes des vaisseaux de scientifiques. Ben, sans scientifiques, vous ne me servez à rien, hélas. Pas vous mentir, hein. Si vous n'avez pas de scientifiques, vous ne me servez à rien. Normalement, en un mois, je vais regagner des sous. Voilà, du coup lui va pouvoir bosser. Voilà, ensuite tu iras bosser là-bas. Puis tu iras bosser là-bas. Puis tu peux pas bosser là. Voilà, ça va t'occuper pendant longtemps ça. On gagne que 600. Allez les mecs, quoi, donnez-moi plus, donnez-moi tous vos sous. Ouais. Je sais que je suis un gros dictateur, mais quand même. Vous pouvez pas me donner plus de sous? L'Afrique, il va vraiment falloir que je les fasse grossir aussi, parce qu'ils sont tout petits. Enfin, je dis ça, ils sont pas petits, faut pas abuser non plus. Alors en fait, Xanir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre Xanir?
Ils sont dans aucune alliance. Un pacte avec la Xaplo. C'est qui la Xaplo? Alors attends. Avec Democratic Xapo Planet, c'est eux. Ben, c'est très cool, mec. En fait, t'es leur chef suprême et t'as un pacte avec eux. Donc t'es pas leur chef suprême. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait savoir. Donc leur puissance de flotte, elle est inférieure. Leur capacité navale, elle est équivalente. Et ben, je sens que l'épisode prochain, ça va être mon objectif. Et je vais attaquer Nori là. Ça va être ça, voilà. Donc, on va faire passer en vitesse 3. Et on va dépenser des sous dans des cuirassés. Ça coûte tellement cher les cuirassés. Il me faut 3 mois pour acheter un cuirassé. Voilà. Je vais regarder un petit peu un truc rapidement en cliquant là. Je peux créer des vassals à deux maisons comme ça. Ouais, politique, budget, équilibre, gouvernement, contact les espèces, l'empire, mes leaders, mes factions, je m'en fous. Les victoires, j'en suis à 66 planètes contrôlées et victoire par conquête, il reste toujours 22 empires à conquérir. Ok. Ouais, en fait, les conditions de victoire sont quand même assez rudes. Même si je contrôle déjà un sacré paquet de planètes. Allez, on se quitte ici et demain, on essaie de s'organiser cette guerre contre Norilla. Ciao, ciao.